you to lie forever the same. Can you ever make a mistake? You are more than the words were saying. You are everything. Oh, waymaker, can you ever lose your way? The truth in life, is it possible for you to lie forever the same? Can you ever make a mistake? You are more than the words we sing. You are everything. L'histoire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est que l'aboutissement d'un long rêve, d'un long conte de fées. J'aurais pu dire que c'est une sorte de Roméo et Juliette à la Camerounaise, parce que j'ai fait la connaissance d'Oberlin aux côtés de Moïse en 2016 à Abidjan, une année après qu'ils se soient rencontrés. Et depuis le temps, toutes les informations et tous les événements que nous avons vécu ensemble nous ont donné la possibilité de croire en l'amour, de croire en notre prochain. J'ai rencontré Oberlin au mois de septembre 2015. C'était à Cocody Saint-Jean. C'était, je crois, non loin de sa cité universitaire. Elle venait d'arriver à Abidjan, je l'ai vue pour la première fois et elle m'a frappé à l'œil. Quand elle a eu son concours, parce qu'elle a fait le concours de l'INSEA d'Abidjan, et il y a un aîné qui l'a recevait ici au Cameroun. Et lorsqu'il a fait les photos, j'ai remarqué une fille parmi les filles et je lui ai dit que non, j'aimerais entrer en contact avec cette fille-là. Et c'est comme ça, quand ils sont arrivés à Abidjan, je suis allé à l'université. Du coup, on a eu une première rencontre, je crois bien, avec ces anciens-là. Et c'est lors de la rencontre, justement, que lui et moi, on s'est rencontrés ce jour-là pour la première fois. Et c'est comme ça que, bon, plus le temps passait, bon, plus l'insistait, bon, sa persévérance a payé, je dirais, quoi. Elle a accepté d'aller prendre, alors, un pot avec moi aux deux plateaux. Donc, ce jour-là, on est allé aux deux plateaux prendre un pot. Et ça, c'est au mois de février. Et c'est là où le contact a vraiment commencé, parce que elle m'a écouté sans rien me dire. Donc c'est vraiment là où le contact a commencé entre elle et moi. Et je crois que là-bas, elle a vraiment compris que bon, j'étais quelqu'un qui voulait partager avec elle quelque chose de sérieux, quoi. J'ai dit non pour une première fois, mais il a insisté, autant de fois, C'est également l'un des éléments aussi, je dirais, qui a aussi... qui a joué aussi à sa faveur également. Je dirais que c'était sûrement le début d'année 2016. Parce que quand lui et moi on se rencontre, c'est en 2015 à 2015. On vient juste à peine de se rencontrer. On ne sait pas les avances justement. Mais c'est vraiment vers la mi-2016, je dirais, que vraiment je me suis sentie quand même un peu, je dirais, un peu plus à l'aise quand même dans la relation, j'ai envie de dire. Pour moi, à partir de là. Lorsque Moïse a connu Oberlin, il m'a fait part de ses intentions et de sa relation avec Oberlin. Disons que ça n'a pas été facile pour eux d'en arriver là aujourd'hui. Ça a été une tâche plus ou moins difficile, avec, comme tout couple, comme tout nouveau couple, avec des hauts et avec des bas. C'est quelqu'un vraiment de très responsable, oui, très responsable. Quand j'ai quitté mon mari en 2015 pour aller en Côte d'Ivoire, je dirais que j'étais un peu comme abandonnée à moi-même, parce que j'étais quand même encore très jeune quand même. Et te rencontrer quand même m'a fait quand même me responsabiliser aussi davantage. Parce que tu m'as montré vraiment c'était quoi vraiment être, comment dire, tu m'as montré vraiment ce que veut dire vraiment être indépendant vraiment en tant que tel. Et aussi tu es quelqu'un, je dirais, qui m'a beaucoup soutenu en fait dans mes études. Parce que avant même pour que j'aille au Canada par exemple, c'est toi qui m'a motivé à y aller. Moi je n'étais pas prête à aller au Canada par exemple, parce que après mes 3 ans, je me suis dit, ah bon, je suis une femme, j'ai un très beau diplôme dans ma poche. Je peux bien travailler avec ce diplôme et gagner beaucoup d'argent, mais tu m'as motivé vraiment à chercher davantage, à avoir davantage plus, à aller au Canada. Et
tu es quelqu'un aussi de très généreux aussi, vraiment très très généreux, fait, qui a le sens de la famille, qui sait vraiment prendre soin des siens, vraiment de tout ce qui l'entoure, et qui a vraiment le souci vraiment justement de rendre heureux vraiment tout ce qui l'entoure véritablement. C'est une très grande qualité que tu as. Même si parfois les gens ne te le rendent pas véritablement, tu peux parfois faire des choses pour certains même qui ne le rendent pas. Mais moi je sais quand même que Dieu qui est là au moment voit tout ce que tu fais, il saura vraiment te récompenser. Il le fait même déjà au fait. Il te récompense vraiment comme il se doit et il continuera de le faire toujours. Donc je ne change vraiment pas. Garde vraiment ces valeurs là que tu as vraiment. Ces valeurs vraiment qui m'ont beaucoup aussi touché. Et les valeurs que j'ai vraiment beaucoup aimées et qui m'ont. Que tu m'as transmis, je dirais quand même aussi un peu comme ça, ces valeurs-là. Et je prie vraiment que nous puissions vraiment rester unis comme nous sommes actuellement, très complices également, et que le Seigneur nous aide vraiment à être, à fonder une superbe famille. Ok, Aubeline, ma chérie, je voudrais encore te dire que je t'aime de tout mon cœur. En toi, j'ai vu cette femme-là qui pourra m'accompagner dans nos projets de famille, et cette femme-là que vraiment à qui je vais faire confiance, et je veux aussi te promettre que je vais t'aimer pendant toute ma vie, quoi, pendant toute notre vie sur terre, et que vraiment je ne suis pas sûr qu'à part toi j'aurai encore une autre femme. Donc tu peux te rassurer que je te porte totalement en cœur et que je t'aime de tout mon cœur, quoi. Céline, mon bébé, je te porte cette alliance pour concrétiser notre amour et je veux te promettre encore une fois de plus de toujours t'aimer de tout mon cœur, de toujours te protéger, de toujours te garder, mais je confirme encore une fois de plus que je veux t'aimer, te protéger, te protéger et te protéger. À ce jour, nous avons décidé vraiment devant nos familles, devant nos parents, devant nos amis, de formaliser vraiment notre relation. Et je viens devant tout ce peuple justement prendre l'engagement en fait de t'être soumise, de t'aimer, dès que vraiment l'épouse dont on parle Proverbe, dès que vraiment cette femme vertueuse là vraiment. Et je te promets en fait d'être fidèle, d'être soumise. Au nom de la loi, je vous déclare que je n'ai pas gagné le mariage pour le meilleur et pour le pire. Can you ever lose your way? The truth in life, is it possible for you to lie? Forever the same. Can you ever make a mistake? You are more than the words were saying. You are everything. Oh, Waymaker, can you ever lose your way? The truth in life, is it possible for you to lie? Forever the same. Can you ever make a mistake? You are more than the words we sing. You are everything. Everything, everything, you are everything. The first and last, and the distance in between.